Mais il faut être grave motivé ce matin. Il tombe des trompes d'eau, par la chasse avec le chef. L'objectif de la journée, ça va être vraiment de trouver une vieille chèvre. Chèvre très très écartée, elle est géante. Une vieille femelle, environ 14 ou 15 ans. C'est un truc de fou. Il y a une chèvre en face. Elle a une boule sur la tête, au niveau de l'œil. Simplement incroyable. Allez, tu peux remettre le chien. Il faut être grave motivé ce matin par la chasse avec le chef. Il va falloir le motiver ou pas. 4h du matin, il tombe des trompes d'eau. Ça donne pas trop envie. On prend une sacrée transpirée ce matin en plus. Il pleut. On met une couche. Il commence à faire un peu chaud quand même là-dessous. C'est un peu laitueux. Pourquoi t'as mis deux t-shirts? Parce que ce matin j'avais pas chaud. On est parti depuis 4 heures ce matin, depuis la voiture. On a mis des New Gore-Tex parce qu'ils tombent. Des drages de flotte par vague. C'est des orages. Là on est sur une petite accalmie. On profite pour faire une pause. Moi j'ai un sac. Il est énormément lourd. Il n'y a personne qui peut imaginer ce que j'ai dedans. Tout à l'heure, c'est une surprise que je vais vous montrer. En tout cas, pesé sur la balance, hier soir, 28 kilos. Donc je peux te dire que tu les sens à la montée. Là, en forme, toi aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'un peu moins longtemps. Ouais. Faut pas y penser au sac. Qu'est-ce que tu fais, Daniel? Je mets la lunette. Avant de passer ici derrière, hein. Si jamais. Ah putain. Ah pourtant j'ai remonté, j'ai nettoyé. Oh le salaud. Qu'est-ce qui se passe là, Daniel? J'arrive pas à dire ça, mais... Hein? Ah bah je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Pourtant j'ai séché. Il a dû se coller avec la rouille. Il faut que tu la mettes sur les taux, hein. Et que tu prennes une clé à molette. Ah non, il n'y en aura pas. Écoute chef, laisse tomber. Je vais sortir la top 95. Vieille femelle d'environ 14 ou 15 ans, assez fine, plus écartée que haute, et dans un endroit impossible. Là, il y a un chat. Incroyable. Elle est géante, mais elle a un cabri. Une chèvre très très écartée. On va la laisser encore pendant quelques années, quand elle aura plus de petits. Je suis
donnerai rendez-vous. Pour l'instant, elle fait encore son travail de géniteur, là. Écoute, elle a encore de belles années devant elle. Et si elle reproduit aussi bien que ce qu'elle est grande, on va avoir une pépinière de grands chamois dans quelques années. On va essayer de ne pas la déranger. On monte par là au-dessus maintenant. Viens là, viens. Putain, c'est un truc de fou. Il y a une chèvre en face. Ouais. Elle a une boule. Putain, ouais. Sur la... Ouais, j'ai vu ça. Sur la tête, au niveau de l'œil, simplement incroyable. Chèvre. Chef, regarde la démarche qu'elle a. Regarde, elle lève les pattes pour éviter les obstacles. Ouais, pour la gestion, il faut tirer cette aile. Allez, mets-toi en place. Il y a 151 mètres, t'as pas de correction. Là, je suis bien. Là, je bouge pas, je suis très bien. Une balle. Dans la lanière, t'en as une. Allez, tu peux remettre le chien. La balle a l'air pas mal. Mais t'es rentré juste derrière l'épaule. Ouais, c'est bon, il n'y aura pas besoin de la redoubler. Bravo, chef. Putain, ça fait plaisir. Hein. La retrouver, cette chèvre, depuis le temps que... Depuis qu'on l'a cherché celle-là, on l'a revu un petit coup là en début de chasse, elle a disparu et là tu vois on la retrouve. Non, c'est tellement beau prélèvement. Moi ma vie c'est une chèvre, elle passait 15 ans facile. De toute façon elle avait son bon repère avec cette tache sur le côté, les bandes jugales effacées. Cette chèvre qu'on connaissait depuis un moment, tu vois, et il fallait. Et puis alors cet impact sur l'œil là, c'est impressionnant, impressionnant. Je l'en guide d'aller voir sur place pour voir vraiment l'état qu'elle aimait. Dans la lunette c'était impressionnant. Je crois que, tu vois, indirectement, c'est un service qu'on lui rend, là, parce que c'est pas évident, quoi. Un animal comme ça, tu vois, apparemment, c'est une chèvre qu'on a vue l'année passée, qui a passé quand même l'hiver, mais bon, on a eu un hiver super clément l'année passée, donc c'est pas une référence. Mais avec un hiver un peu rude, comme on a connu, je crois pas qu'elle passe l'hiver. La preuve, c'est que là, tu vois, elle est isolée, elle s'est déjà mise dans des endroits un peu différents des autres. Elle a quand même un handicap qui est très fort. En plus, avec l'âge, je crois que c'est un très beau tir. Oh. Ah non. Jamais j'aurais cru ça. Pas possible. Je regarde même pas le trophée qui est très beau, mais ce qui est impressionnant, c'est ça. Jamais vu. Oh, cette bête. Putain, elle est encassée déjà. Pourtant, elle n'a pas roulé. Oh. Tu vois, le poil, il commence à repousser dessus. Hein. Ah ouais. Elle vivait avec ça. Là, ce qui est impressionnant, c'est que le deuxième œil aussi est attaqué. Quoi. Le deuxième œil est crevé. J'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ans. Là, vraiment, un animal comme celui-là, c'est plus qu'exceptionnel. Je pense qu'avec le chef, on en a vu des milliers. Mais des comme ça. On est souvent à la recherche des petites bizardes. Mais alors des gueules gassées comme ça, on n'a pas trouvé beaucoup. Puis surtout que la façon qu'on l'a retrouvée, l'a cherchée, la discrétion de ce chef, pourtant on ne peut pas dire qu'on n'a pas jumelé, qu'on n'a pas cherché. On connaissait son coin, elle était quand même discrète. Et ça reste discrète, la preuve, hein, c'est ce qui l'a sauvée. Hein. Ouais, pendant toutes ces années. Allez, écoute chef. Ça y est, on est arrivé. En fait, ce qu'on avait dans le sac, c'était une bouteille de gaz. Je peux te dire que je l'ai senti passer. Tu vois, j'ouvre la bouteille de gaz et puis finalement, il y a du gaz. Très bien. Et alors, ce que tu m'as fait faire, monter une bouteille de gaz pleine dans mon sac. Vous êtes vraiment des cinglés dans l'équipe. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.